Frédéric Doyer, bonjour. Vous êtes avocat, vous êtes le conseil du père Prénat, le curé par qui le scandale est arrivé. Et il y a quelques semaines, vous avez tenté de vous opposer à la sortie du film de Gilbert Ozon, Dieu merci. Finalement, le film est dans les salles et il a été largement salué, que ce soit par la critique ou par le public. Vous l'avez vu, ce film ? Je l'ai vu. Oui, vous en avez pensé quoi ? C'est un bon film, vous êtes d'accord ? Écoutez, je ne vais pas porter un jugement de valeur et apporter une publicité supplémentaire à une publicité qui a été donnée autour d'une action judiciaire qui a été engagée, avec une décision qui a été rendue qui n'a pas empêché la sortie du film, mais un appel a été interjeté. Parce que la sortie de ce film, ou tout au moins le moment de la sortie de ce film, pose une question de principe qui est la question que l'on doit se poser concernant ce qu'est la présomption d'innocence. Le père Prénat, il a reconnu sa culpabilité. On peut plus parler de présomption d'innocence. Ne tenez pas un discours qui est un discours qui ne correspond pas à ce qu'est la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, c'est un état. Et c'est un état qui est reconnu à tout un chacun dans l'attente d'une décision de justice qui viendra modifier cet état. Et la justice a le monopole de la fixation de la vérité. Et il n'y a rien d'autre pour cela. Ni le cinéma, ni la confession, ni quoi que ce soit. Aussi, tant qu'on n'a pas été définitivement jugé, et j'insiste sur le caractère définitif du jugement, on est présumé innocent. Moi, je ne reproche pas à ce film d'avoir été fait. C'est un film qui était nécessaire, mais c'est un film qui n'est pas sorti au bon moment. Mais enfin, il y a une décision de justice. Vous venez de me dire que vous respectez la justice. Il y a une décision de justice qui a dit qu'on peut sortir le film. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, M. Angèle, mais quand même, il y a plusieurs degrés de juridiction. Vous savez, il y a des premières juridictions qui se trompent. Il y a des cours d'appel qui réforment ce que les premiers juges ont fait. C'est mon espoir. Et puis il y a aussi des cours de cassation qui peuvent se tromper, l'histoire donne tort un jour. Et il y a même l'Europe qui s'occupe de justice et qui vient harmoniser les questions de principe. Or là, on est dans une question de principe. Dites-moi, Frédéric Doyer, vous avez suivi le procès du cardinal Barbarin, j'imagine ? De loin, puisque je n'y étais pas convié. Un choix a été fait par les victimes de saisir sur citation directe la justice avant que le procès de Bernard Prénat ne se tienne. Je vous mentirai en vous disant que je ne suis pas allé jeter un œil, parce que c'est quand même une question qui m'importe, mais je n'y étais pas présent, en tout cas. Je pense que vous en avez tiré des enseignements pour le procès futur du père Prénat, non ? Non, il n'y a pas à tirer des enseignements d'eux. La seule chose, c'est qu'il est bien évident que les juges qui ont jugé le cardinal Barbarin ne pourront pas juger le père Prénat. Ça, c'est une chose. Au nom des principes, toujours au nom du procès équitable. Et c'est un procès que je trouvais prématuré. Vous avez dit qu'on a fait payer à Barbarin ce qu'on n'a pas fait payer à de Courtrai. Oui. Oui. Je le répète. Donc la justice s'est trompée à nouveau ? Mais non. Si vous voulez, c'est une question un peu particulière, ou tout au moins inédite, que de juger un homme 30 ans après des faits qu'il avait reconnus il y a 30 ans. Et moi, ce qui m'importe... Mais dont il n'est pas coupable, puisqu'il est présumé innocent. Mais je vous dis, il faut attendre une décision de justice pour qu'il soit déclaré coupable. Mais cela vaut pour tout un chacun, cela vaudrait pour vous si vous aviez le malheur de passer devant une juridiction. Pour moi, c'est pour tout le monde pareil. Non, il y a 30 ans, cet homme avait reconnu des faits pour lesquels il n'a pas été jugé à l'époque. L'important, et je crois que ce film essaye de décrypter les raisons qui ont fait que ce procès ne s'est pas tenu il y a 30 ans. Et ça sera tout l'objet du procès Prénat, en tout cas une partie de l'objet du procès Prénat. Alors justement, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il va se tenir ce procès Prénat ? L'instruction Prénat n'est pas close. Le dossier est au règlement pour l'instant. J'ai formé des demandes de suppléments d'informations, en l'occurrence des expertises supplémentaires. La question sera abordée très prochainement devant la Chambre de l'instruction. Et en toute logique, le dossier devrait être clôturé avant l'été. Vous avez parlé de règlement, alors vous me tendez une perche. Règlement, c'est le parquet, c'est un mot de droit. Oui, mais moi je vais le prendre autrement. François Ozon a dit que c'est l'évêché qui vous paye comme défenseur de Prénat. Alors, je,
C'est votre coupable ? J'ai une grande admiration pour le cinéma d'Ozon. Depuis ses propos, j'ai moins d'admiration pour lui. Je déteste les infox, vous savez, les fake news, et je trouve qu'il est minable, et je dis bien minable, de la part d'un réalisateur de talent, d'affirmer que je suis payé par le diocèse, tout simplement pour alimenter une approche un peu manichéenne des choses, avec un camp qui serait un camp prénat, presque une association de malfaiteurs, composée de ce prêtre et du diocèse, qui viendrait payer l'avocat. S'il y a bien une personne qui est autorisée à dire qui le paye, c'est moi. Ah bah, et je vous dis qu'Ozon dit une énorme connerie en disant cela. J'ai dit le mot connerie, vous voyez. Jusqu'où va mon exaspération par rapport à ce genre de pratique ? Avant de nous quitter, Frédéric Doyez, un petit mot. Quand vous défendez le père Prénat, est-ce que vous pensez aussi aux victimes ? Bien évidemment. Et comment vous allez faire pour ne pas ajouter à leur traumatisme par ce procès ? Venez au procès. Venez au procès. Je pense que l'on peut défendre un homme expliquant les choses, en cherchant à expliquer les choses. Et je suis allé voir ce film aussi pour davantage comprendre ce que peut être la souffrance de ses victimes. Et en cela, voyez-vous, si Ozon, par rapport à certains de ses propos, m'exaspère, son film est assez réussi sur la restitution de la douleur de gens qui ont été victimes de faits. Mais une chose, et j'en ai fini, je trouve qu'il y a des procédés en matière de cinéma. Vous savez, dans le champ, hors champ, ou hors champ, dans le champ, je ne sais pas comment on dit, un procédé qui consiste à ne pas montrer les choses, mais à les suggérer. Une pièce, un labo photo, où vous avez un enfant qui rentre et la porte se referme, on peut tout imaginer. Au moment du procès, on saura exactement ce que l'on peut reprocher au père Prénat, parce que c'est le monopole de la justice que d'examiner la réalité des faits. Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui. Frédéric Doyez, je vous remercie.